croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales a débuté ce lundi 10 juillet 2023 à Daloa. Après 10 jours de croisade, un bilan s'impose. Durant ces 10 jours, le pasteur Haché Gogoua n'a pas manqué de donner à l'assistance les conditions pour être un intercesseur qui touche le cœur de Dieu. À savoir, avoir une bonne disposition de cœur, avoir les mêmes sentiments avec les autres et surtout avoir le fardeau du salut des membres des familles. Dans le but d'atteindre le maximum de personnes, des billets d'invitation ont été confectionnés et distribués tous les soirs aux frères pour inviter plusieurs personnes le lendemain. Pour cette semaine, ce sont 276 participants en moyenne qui ont été enregistrés avec 24 âmes gagnées. Les semeurs, quant à eux, ont assuré leur mission conduisant l'assemblée dans la louange au début de chaque croisade avec l'hymne de la croisade qu'ils réussissent bien. Le pasteur Haché Gogoua a conduit les frères dans les prières d'intercession, de supplication et de combat. Le constat fait est que plusieurs frères se levaient d'eux-mêmes suite à des malaises qu'ils ressentaient et se rendaient au lieu de la délivrance. Une fois sur les lieux, les démons se manifestaient violemment et étaient chassés. Par contre, d'autres étaient projetés de leur siège secoués par les démons. Ce sont au total 78 manifestations démoniaques et 85 esprits méchants qui ont été chassés au cours de ces 10 jours. Qui avait été englouti par les cieux. Au nom de Jésus-Christ, nous commandons que tu sors des eaux. 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 Tu sors des eaux. Tu sors des eaux. Esprit méchant. Les saints ayant été enseignés dès les premiers instants de la croisade à être reconnaissants à Dieu ont suivi à la lettre tout ce qui a été enseigné sur comment et pourquoi rendre témoignage. 160 témoignages ont été rendus. Écoutons quelques-uns. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Ladéki Florence. Mon frère des disciples, c'est la sœur Florence, épouse Max. J'aimerais dire merci au Seigneur qui m'a délivré l'année passée, pendant les remerciements des principautés. Il faut dire, quand je ne connaissais pas Jésus, j'étais allé voir un marabout pour mon problème. Quand je suis arrivé là-bas, il m'a donné un ansigui. Je me suis frotté à ce qu'il m'a dit du poids. La nuit là, Cette nuit-là, dans le songe, je voyais que j'ai un gros serpent qui était mis dans mon ventre. Au moins, je vais me rendre compte, je vais tirer. C'est pas là, c'est sa queue, donc ça a glissé, c'est resté dans mon ventre. Donc, depuis là, rien n'allait dans ma vie. Même quand je fais des soins, c'est comme si je m'envolais, on m'envoyait les bassines de viande devant moi, je mangeais. Quand je me réveille, je dis, mais c'est quoi, je refuse, mais comme je n'étais pas en Christ, même quand je dors, je fais un peu mes yeux comme ça, je mange encore. Donc, quand j'ai donné ma vie à Jésus, on a fait mon brisement de lit, on a fait tout. Même le serpent était là, même j'avais oublié. C'est 4 ans après, c'est ça que j'ai vu. On a fait ma délivrance. Mais malgré ça, Dieu me bénissait, mais ce n'était pas trop. Quand mon commerce va devant, après ça revient derrière, ça va derrière, je ne comprenais pas. Et ça, le voir le pasteur, m'a dit, ah, peut-être qu'il y a quelque chose dans ta vie, ça ne va pas. Donc il faut vraiment ouvrir ta vie. Il dit, je ne sais pas ce que j'ai. C'est dans la principauté de l'année passée que le serpent, mais lui-même, il a vu que vraiment bombardement était trop. C'est ça, ce jour-là, lui-même, il s'est manifesté pour me sortir. J'aimerais dire merci au Seigneur, lui qui m'a délivré, qui est un gros serpent, depuis m'a délivré. Je ne peux pas gâter le nom du Seigneur. Quand je mets ma main dans quelque chose, ça produit. Donc, que son Seigneur soit béni. Amen. Je suis la sœur Konate Obiegeyu Esther. Mon frère ici, c'est le pasteur Daniel Gogoua. Je veux dire merci à Dieu pour deux choses. Je veux dire merci à Dieu parce que l'année 2019, pendant le renversement des principautés, dans mes 10 requêtes, j'avais dit à Dieu qu'il permette qu'un deuxième membre de ma famille à
accepte Jésus. Parce que dans ma famille, je suis d'une famille musulmane, animiste. C'est difficile, ils ne veulent même pas entendre parler de Jésus. Mais il y avait prière comme ça. Et le Seigneur a permis qu'avant même la fin du renversement des principes de 2019, ma grand-sœur est à Beauville, elle est venue me remettre quelque chose. Et pendant qu'elle était là, je lui ai rendu mon témoignage. Tout ce que j'ai vécu depuis que j'ai donné ma vie à Jésus. Et elle a accepté de donner la vie à Jésus-Christ. Je vais dire merci à Dieu parce que pour moi, ça a été un miracle. Et la deuxième chose, je vais dire merci à Dieu. L'année passée, le Seigneur m'a délivré de la captivité. En 2017, j'ai fait un songe où il y a un esprit qui me gardait esclave dans un champ de riz. Et l'esprit était habillé de sorte qu'il y avait des poignards sur son habit. Et quand tu essaies de fuir ces poignards, ça t'attire comme un aimant. Et pendant qu'il était là, il y a une petite fille qu'ils ont envoyée. Et je lui ai demandé qu'on t'envoie aussi ici, que quand on rentre ici, on ne sort pas. Parce que l'esprit qu'elle a, on ne peut pas lui échapper. Et je lui ai essayé de lui démontrer pourquoi il a dit qu'on ne peut pas lui échapper. Il a essayé de m'enfuir. Et pendant qu'il voulait m'enfuir, les flèches m'ont attiré. Et quand je suis venu me poigner ça, un de ces poignards m'a piqué au niveau des reins. Et j'ai dit à la petite fille que tu as vu, quand on rentre ici, là, on ne sort pas. Où tu es venu là, tu as pu sortir. Et je me suis réveillée, j'ai vu mon frère ici. Il a vu le pasteur comme s'ils ont prié pour moi, ils vont au brisement des liens. Mais ça continuait. Et quand c'est comme ça, chaque fois, la nuit, je me retrouve au champ. Soit c'est un champ de riz, un champ de maïs. Et je me trouve toujours au champ en train de travailler dans le champ. Maintenant, quand il me lève, je suis fatiguée. Et je savais que ça avait un rapport avec le fait que cet esprit me tenait dans un champ. Et je priais, mais rien. L'année passée, j'ai commencé le renversement, la prière bien avant. Et un jour, j'ai prié et je suis allée me coucher. Quand je suis allée me coucher, j'ai vu cet esprit-là. Il me tenait. Et puis je le suis partout. Partout où il s'en va, je suis derrière lui seulement. Et à l'instant, moi, quelque chose s'est passé dans mon esprit. Je me suis revoltée contre lui. Et je n'ai pas eu peur de lui. Je l'ai renversé. Et j'ai commencé à le juger. J'ai commencé à proclamer le divorce. Et quand j'ai commencé à proclamer le divorce, il est devenu comme nounou des enfants. Et j'ai commencé à prier. Pendant que je priais, je me suis réveillée. Depuis lors jusqu'à maintenant, je ne me suis plus jamais trouvée dans un champ en train de travailler. Je me dis merci. Amen. Ce soir, je veux rendre grâce à Dieu. Je veux lui dire merci, infiniment merci. Et rendre ce témoignage pour glorifier son nom. Alléluia. Amen. Je veux être reconnaissante au Seigneur qui m'a délivrée de la jalousie et de la colère, et qui a instauré la paix, la joie et l'amour dans mon foyer. Amen. Frère, un jour le Seigneur m'a parlé, parce que je faisais toujours des histoires avec mon mari. Et le Seigneur a ouvert mon esprit et m'a montré que la jalousie, la colère et les querelles sont une perte de temps qui influence négativement ma relation avec lui. Parce qu'il m'a montré qu'après les querelles là, il faut se répandre, il faut demander pardon à la personne, il faut travailler ton cœur pour pardonner et restaurer la personne. Et puis la relation même devient bizarre avant d'être restaurée. Alléluia. Amen. Donc j'ai vu qu'il fallait que j'en pardonne, je prie que le Seigneur me délivre de la colère et de la jalousie. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Alléluia. Amen. Le Seigneur a fait cela. Et il est tellement merveilleux, il est tellement glorieux. Quand j'ai obéi, et puis j'ai décidé de ne plus faire parler à mon mari, de ne plus manifester la jalousie. Frère, le Seigneur a transformé la vie de mon mari. Amen. Le Seigneur l'a délivré de l'alcool. Le Seigneur l'a délivré des promenades. Le Seigneur l'a délivré de beaucoup de choses. Acclamation à Jésus. Et le Seigneur a imparti mon amour dans le cœur de mon mari. Amen. Frère, quand mon mari sort, il revient. Dès que les enfants ouvrent le portail, la première question, est-ce que ma femme est là? La deuxième chose, mon mari a une confiance en moi. Il a une confiance en moi. Une grande confiance. Au point où il m'a
Il a tout laissé entre mes mains. Alléluia. Il n'a pas de gérer nos finances, nos projets. Et lui-même, il rend témoignage tous les jours. Il dit vraiment, ma femme qui a changé. Alléluia. Acclamation à Jésus-Christ. Merveilleuse, mon mari a changé mon nom. Alléluia. Amen. Ne m'appelle plus Simon, c'est Chérie. Yeah. Acclamation. Frère, je dis merci au Seigneur parce que le Seigneur a béni mon foyer. Je me suis infiniment reconnaissant pour la paix, la joie et l'amour qu'il a instauré dans mon foyer. Frère, ma maison là, c'est un petit paradis. Je suis la sœur Goba Maïssa. J'ai professeur ici, le pasteur Jean-Paul Goba. Je voudrais dire merci au Seigneur qui m'a délivré, qui m'a donné un nouveau cœur. La semaine dernière, quand le missionnaire nous a conduit à prier pour demander au Seigneur de nous montrer le nœud des problèmes que nous avons. Dans la même nuit de ce jour-là, j'ai fait un songe où ma tante et son mari sont venus me dire que le cœur que tu as n'est pas ton cœur, c'est le cœur de ton papa. Donc le lendemain quand nous sommes venus, je priais, c'était mon premier sujet de prière. Et pendant que je priais, j'avais une forte envie de vomir. Donc je suis allée voir le pasteur. Je suis allée voir le pasteur. Non. Jean-Martial. Je lui ai expliqué ce qui s'est passé. Donc quand je me suis assise, qu'ils ont commencé à prier pour moi. Le pasteur Bamos a dit, repent après moi. Je renonce à ce cœur. J'avais la langue nouée. J'étais comme un bébé qui apprenait à parler. Je n'avais même pas dit, au nom de Jésus, je renonce à ce cœur. Et le fait de ne pas pouvoir le dire me faisait souffrir. J'avais mal partout, la langue, tout ça. Mais à un moment donné, par la grâce de Dieu, j'ai pu renoncer à ce cœur. Et le soir, dans un songe, j'étais à un carrefour de la ville où je suis née, mais avec un enfant, un bébé dans le ventre, une grossesse. Et tout d'un coup, j'ai commencé à saigner. Le ventre est descendu. J'ai commencé à saigner et je veux infiniment être reconnaissant au Seigneur. Une chose que je dois noter, c'est que à un moment donné, je n'avais pas de compassion pour certaines choses, pour certaines personnes qui traversaient des difficultés. Parce que je me disais, moi j'ai traversé des difficultés, mais bon, personne ne s'est occupé de moi. Donc à un moment donné, mon cœur est devenu assez dur. Je n'avais aucune compassion pour quelqu'un, pour une personne qui est en train de souffrir. Or, avant, ce n'était pas le cas. Je veux être infiniment merci au Seigneur. Être infiniment reconnaissant au Seigneur qui m'a délivré. Que la gloire nous soit rendue.